Gaëlle Garcia Diaz, après Maëva Guénham, elle s'en prend à une autre candidate de télé-réalité. La guerre entre Maëva Guénham et Gaëlle Garcia Diaz a amusé la toile pendant quelques jours. Mais aujourd'hui la célèbre youtubeuse s'est attaquée à une autre candidate de télé-réalité. On vous en dit plus juste ici. Quelques jours après le lancement de sa marque de maquillage, Maëva Guénham avait dû essuyer les critiques de la youtubeuse mais aussi, ancienne candidate de télé-réalité, Gaëlle Garcia Diaz. Suite à la vidéo de Gaëlle, la Marseillaise avait poussé un gros coup de gueule sur Snapchat. Souvenez-vous, je regarde les avis, les retours de la vidéo de Gaëlle. Franchement, je vous aime trop. Au moins vous aussi vous avez vu qu'elle n'était pas objective. Tout au long de sa vidéo, elle a comparé sa marque de make-up à la mienne. Parce que sa marque de make-up est 100 fois mieux que la mienne. La meilleure au monde. Son marketing est juste amazing et moi c'est de la grosse merde. Non mais la jalousie. Deux semaines, que je suis là et j'ai plus de followers. Ça fait plus d'un an qu'elle a sa marque. Avant d'ajouter dans cette même story, et la photo qui m'a fait le plus rire c'est quand vous avez comparé sa gay astérisque 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 quand elle se maquillage avec mon maquillage, et sa gay astérisque 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 quand elle se maquillage avec son maquillage. Non mais la fille on dirait un mort vivant. On dirait Dracula quand elle se maquille avec son maquillage, elle est dégueulasse. Genre elle est éclatée au son. On dirait qu'elle a fait un maquillage d'Halloween. Mais aujourd'hui, alors que cette affaire fait toujours autant débat sur les réseaux, Gaëlle Garcia Diaz a décidé de s'en prendre à une autre candidate de télé-réalité. Cette candidate c'est Maddy Burciaga. Alors que sa relation naissante avec Benji Samat affole la toile, il y a quelques heures, la jolie blonde a publié un nouveau code promo sur son site de cosmétiques. Maddy Burciaga, dans le collimateur de Gaëlle Garcia Diaz, la jeune femme a alors fièrement affiché un partenariat avec la fondation Brigitte Bardot qui lutte pour la protection des animaux, NDLR. Parenthèse fermante point. Seulement voilà, pour illustrer ce partenariat, Maddy a décidé de s'afficher avec Lionceau dans les bras. Et en fouillant un peu sur les réseaux, les internautes se sont aperçus que cette photo avait été prise dans un célèbre zoo de Dubaï. C'est dans ce même zoo que la famille Tanti a été filmée en train de balader un singe en laisse, ou encore en train de caresser un crocodile qui avait la gueule scotch. Plusieurs jours après le gros coup de gueule du journaliste Hugo Clément à ce sujet, c'est donc la bombe Gaëlle Garcia Diaz qui a décidé de dénoncer cette publicité de Maddy Burciaga. De plus, comme on peut le lire sur cette même publication, la fondation Brigitte Bardot ne serait pas du tout au courant de ce partenariat. Qu'en pensez-vous ?